Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je me dirige vers C, au bord de la mer. Et c'est à 25 km de la ville où j'ai dormi hier soir, Lago. Et ça s'est bien passé dans le gîte. C'est un gîte normal. C'était des draps jetables et c'était propre. C'était assez récent, je pense. C'était impeccable. Voilà, c'était un restaurant en même temps. Il y avait une cuisine, mais il n'y avait pas de feu. On ne pouvait pas faire à manger. Il y a une bouilloire et un micro-ondes, un frigo. Et c'est tout. Un peu comme ils font resto. Voilà quoi. Donc je suis partie ce matin à 5h. 5h, ouais. Et là il doit être 8h. J'ai déjà fait 11 km. Je suis sur le 12e là. Et c'est nuageux. Il fait toujours frais. Bon, pas qu'on marche, donc il y a régulièrement des petites côtes, des petites descentes, des petites côtes. Enfin, ça monte et ça descend régulièrement. On passe pas loin des éoliennes avec un bruit pas terrible, quoi. Et puis ben voilà, tout va bien. Je vous emmène avec moi jusqu'à C. C'est un petit village de station balnéaire. Ça s'écrit C-E-E. Voilà, vous savez tout. Et là, autour de moi, il y a des pèlerins de partout. Là, c'est la campagne pour l'instant. Voilà. À tout à l'heure. Bon ben j'ai trouvé des nouvelles chaussures pour aller plus vite. Ouh, j'ai mal. Voilà. Voilà les deux bornes avec deux directions. À droite c'est Muxia et à gauche Fisterra. Et donc normalement on va à Fisterra d'abord, on va à Muxia ensuite, après c'est comme on le veut. Moi je vais à Fisterra. Voilà. Donc c'est parti. On commence à voir les villages en bord de mer. Dans à peu près 2 heures, j'y serai. Environ 8-9 km. Par contre, il fait toujours frais. Il fait 19 degrés. Une petite vue sur vue sur C. Okay. On arrive.